m'appelle Stéphane Le Greff, je suis ingénieur agronome de l'orientation des eaux et forêts, promotion 2000 de Jean Blou. Alors je suis arrivé au Cambodge en 2002 en travaillant pour Handicap International sur la cartographie des champs de mines. Et je suis intervenu comme conseiller technique pour réaliser la cartographie et définir des critères de priorité pour le déminage humanitaire. Donc, de fil en aiguille sur d'autres projets, j'ai travaillé sur la gestion de l'information, sur la cartographie, en directe ligne de mes études à Jean Blou en géomatique, pour différents projets en déminage, en environnement, et plus récemment sur des projets archéologiques, où j'ai utilisé mes compétences de cartographie, d'analyse de l'information, et d'ingénierie pour identifier des sites archéologiques avec une nouvelle technologie qu'on appelle le LIDAR. Alors, le LIDAR, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique d'imagerie aérienne qui permet donc de créer des modèles numériques de terrain en utilisant des faisceaux laser. Donc, on a un hélicoptère, dans notre cas, qui est équipé d'un GPS, un différentiel, qui est équipé d'un laser et qui va envoyer donc des pulsations laser vers le sol, récupérer l'écho et mesurer la distance de l'hélicoptère au sol. Donc ça va, si on a un couvert végétal, ça va évidemment mesurer la position et la hauteur de chacun des arbres, mais ça va aussi calculer tous les étages intermédiaires au niveau des feuilles, et au final, l'écho le plus long va être la position du sol. Donc ce qui est capturé par cet hélicoptère en survol à environ 400 mètres d'altitude, c'est un modèle en trois dimensions de la surface des feuilles et de la surface au sol. Il faut évidemment voler sur un plan de vol extrêmement régulier afin de couvrir toute la zone. Donc on a ici le plan de vol qui a été enregistré par l'équipement. Et donc on voit qu'il y a évidemment un système très régulier de va-et-vient et ensuite un deuxième vol du nord au sud afin d'avoir un quadrillage très précis de la topographie sous le couvert forestier. Donc l'hélicoptère va survoler cette zone en capturant donc des images, des photographies aériennes, et on voit qu'au sommet donc de cette montagne, on a toute une mosaïque générée donc par l'activité humaine. Donc là c'est la forêt. Ici, c'est une zone qui a été brûlée par les villageois, donc ce qu'on voit, c'est les cendres. Et ici, on a des lignes régulières qui indiquent des plantations d'arbres. Donc, l'image aérienne et en même temps, l'hélicoptère a projeté donc, ses pulsations laser et a récolté les échos. Et donc, cela nous fournit un nuage de points qui représente donc tous les endroits qui ont été bombardés au laser. Donc, on a des millions de points qui représentent autant de mesures de l'altitude à cet endroit précis. Les zones où il y a une très faible densité de points laser, c'est parce qu'il y a un couvert végétal dense, et ceux où on a une très bonne densité de points, c'est parce que c'est une coupe à blanc. Et lorsqu'on enlève donc ces points laser, on obtient le modèle numérique de terrain classique qui représente simplement les différences d'altitude du sol. Et on voit donc ici une gradation en couleur qui représente des différences d'altitude. Donc il y a ici une pente qui descend vers la vallée, et tout ceci est une plaine, une zone relativement plate où on devine déjà des structures géométriques. Et lorsque l'on retire par analyse statistique la pente naturelle de cet environnement, on obtient une image de plus en plus précise où on voit clairement des parcelles carrées qui s'agencent sur un grand axe routier qui représente un village ou une ville. Alors, tout ce parcellaire était totalement inconnu pour plusieurs raisons. La première, c'est que, aussi bien en image aérienne qu'au niveau du sol, la végétation occulte complètement la vision de ces vestiges, qui sont parfois simplement des petits murets de terre qui font 20-30 cm de hauteur sur un demi-mètre de large. Et
Les temples que l'on connaît, les temples d'Angkor, sont des temples de pierre, sont des édifices religieux faits en grès, en briques ou en blocs de latérite, donc des structures qui sont relativement permanentes, qui ont pu survivre aux éléments pour des siècles. Mais ici, ce que l'on voit, ce sont simplement les empreintes de structures qui étaient faites en terre. Ce sont des bords de parcelles, ce sont des digues, ce sont des rigoles qui entouraient des structures qui étaient faites en bois et qui ont donc complètement disparu et que seul le laser a pu mettre en évidence. Donc tout ça, ce sont des interprétations que je fais sur base de l'informatique. Évidemment, il y a toujours la possibilité de se tromper dans l'interprétation. Et donc il faut ensuite aller sur le terrain, vérifier que ce que l'on pense être un temple sur base d'une image aérienne qui montre un carré de 20 mètres sur 20, il faut aller vérifier que c'est en effet un temple et pas simplement une erreur de calcul du laser ou peut-être simplement un rocher, une falaise naturelle qu'on a mal interprété comme étant un site religieux. Toutes ces cartes sont chargées sur un GPS et je vais vérifier sur le terrain si les sites archéologiques existent ou si c'est simplement un artefact statistique. Le GPS 79. Ok, photo 1237. Donc on a un bloc de grès de l'ordre de 50 cm de large sur environ 1 mètre de long, peut-être une dizaine de centimètres d'épaisseur. Ah, il n'y a pas que ça. On a ici de la poterie, donc deux morceaux de poterie classique avec un peu de vernis. Ok, et je pense qu'il y en a d'autres dans le coin. Une pièce de grès taillée. Voilà, on est au sommet d'un temple ici. Donc le lidar a mis en évidence une zone qui était surélevée, qui faisait à peu près 20 mètres de côté. Et en arrivant sur cette zone, on se rend compte qu'il y a des pierres gravées et que ce sont des restes d'un piédestal, donc d'un édifice religieux, il y a plus de 1000 ans, comme ça au milieu de la forêt. Donc ça c'est une pierre très particulière qu'on retrouve sous les temples, avec des petites cupules dans lesquelles sont déposées des offrandes, des pierres précieuses, de l'or. C'est le dépôt de fondation, donc c'est l'endroit où se trouve le trésor sous le temple, et c'est la raison pour laquelle la plupart des temples angkoriens ont été pillés et détruits. C'était pour trouver ces pierres-là, et dans chacune de ces petites cupules, il y avait un trésor qui a été volé. Donc, chaque année, il y a environ 3 millions de personnes qui visitent Angkor, qui viennent du monde entier, d'Asie, d'Europe, des États-Unis, parce que c'est une des merveilles du monde. Il y a énormément de gens qui viennent ici visiter ces temples, qui sont des temples religieux qui sont à peu de choses près tout ce qu'il reste d'une gigantesque civilisation qui s'étendait du 9e au 15e siècle. L'apogée de cette civilisation, c'était au 12e siècle, notamment avec le roi Jayavarman VII qui a construit, qui a commandité énormément de monuments religieux. Et nous avons par exemple ici le Bayonne, un temple énigmatique, un temple très connu, très visité, un incontournable du Cambodge,
avec ces dizaines de visages qui pointent dans toutes les directions et qui sont vraiment le visage d'Angkor, qui représente ce que les gens imaginent lorsque l'on parle d'Angkor au Cambodge. Cette enquête laser au LIDAR a été réalisée sur environ 200 km² grâce à la création d'un consortium d'institutions de recherche qui s'appelle le CALC, dirigé par l'Université de Sydney et le docteur Damien Evans. Ce consortium a financé, organisé et réalisé le survey LIDAR sur toute la zone d'Angkor et la montagne de Phnom Kulen où nous nous trouvons actuellement. Un plateau qui est situé à 50 km au nord-est de Siem Reap. Le résultat a été la découverte d'un espace urbain totalement inédit, de la cité de Mahendraparvata, dont on soupçonnait la présence. Et on a découvert des centaines de sites archéologiques grâce à ces technologies laser, pouvant confirmer maintenant l'existence d'une ville complète s'étendant sur 30 km² sur ce plateau et datant du 9e siècle. Derrière moi, la chute de Phnom Kulen, un endroit fabuleux, un lieu de pèlerinage pour beaucoup de Cambodgiens et un ancien lieu de culte qui remonte probablement au 9e siècle aussi. Le roi Jayavarman II a fait construire en l'an 800 une cité au milieu de cette jungle à proximité de cette chute d'eau. Donc, suite à plusieurs mois de travail d'interprétation, d'analyse des données, en les comparant avec tous les sites archéologiques connus, j'ai pu mettre en évidence des centaines de sites archéologiques qui étaient jusqu'alors non répertoriés. Simplement, les sites qui étaient connus jusqu'en 2012, avant l'analyse laser, sont en vert sur cette carte. Donc on a des points ici, minuscules, qui représentent pour la plupart des temples angkoriens. Cette enquête laser a pu mettre en évidence un gigantesque réseau de routes, toutes ces structures en rouge, a pu mettre en évidence au moins 30 temples qui étaient totalement inédits, et tout un système d'habitation le long de ces routes. Donc on a vraiment une occupation du territoire très importante qui était totalement inconnue jusqu'à l'an passé. Et ce que cette mission laser nous a permis de réaliser, c'est que les habitations, l'occupation du territoire était beaucoup plus intense et beaucoup plus étendue que ce que l'on imaginait. On a retrouvé probablement donc, la preuve que le royaume d'Angkor était beaucoup plus important que ce que l'on pensait. Mais ça va seulement se développer avec des confirmations sur le terrain. Ça va prendre des années de plus de fouilles archéologiques pour confirmer tout cela. Donc c'est simplement le début d'une nouvelle histoire pour le Cambodge.